Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Kingdom Come Deliverance. Je viens de dormir donc j'ai des malus de cauchemar. Je profite pour faire un petit tour dans mon inventaire et je vois que j'ai des points de compétence sur l'entretien. Alors, moins d'endurance, c'est sympa. Et charisme, on va plutôt prendre l'endurance. Je crois que j'ai réparé mes bottes moi-même récemment, sinon ce sera bientôt le cas une fois qu'elles auront été usées. Ça on a décidé de pas le prendre pour l'instant, et ça pour l'instant je n'y vois pas d'intérêt, sauf si on a le bonus. Le bonus sur l'efficacité des potions de soins, mais je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait aller voir au moulin. Nous renseigner sur Timmy. On a aussi allé voir Thérèse, apporter la bague au meunier de Colenis. C'est sur le chemin pour aller au moulin. Sachant qu'on est à Ratay. Voilà, ça j'ai pas ce qu'il faut. Ça, je pense que c'est pas trop sur le chemin ou pas sur le même. Ah! Je devais bastonner des gens. Trouver le pigeonnier. On va taper des gens. Ah, quoique je suis assez loin. Non, on va pas taper des gens. Alors, on est juste à côté de Thérèse. Mais je pense qu'elle dort. Ouais. Donc on va pas la déranger. On va aller apporter la bague au meunier. Si j'arrive jusqu'au moulin, a priori oui. Ça dépend si je trouve plein de choses à faire sur le chemin ou pas. Alors, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est un truc à regarder ça ou pas. On dirait. Ok. Ah, j'ai mon chien avec moi, c'est vrai. Ouais, ça sent. Attaque de brigand. Pas de flèche. Est-ce que je peux traverser la guet à cet endroit-là? Tu ressembles à un couement, toi. Où est-il? Là, il se rend déjà? Ah, je suis plus Thérèse, je peux plus dire attaque avec mon chien. On va tenter de la voir. Oh là, c'est pas vrai. Alors comme ça, on voulait me tendre un piège. Oh. Ça, je m'entraîne à l'arc parce que visiblement je suis pas très bon. Quand je vous parlais de distraction sur le chemin, je pensais pas à des coups, mais c'était une possibilité. Alors. Il m'a fallu 5 flèches quand même. Est-ce que j'ai un petit creux? On va manger le lard. Ah, je suis toujours trop lourd. Oh, j'étais même pas bien équipé en armure. Bottes en cuir, elle serait légèrement meilleure que les miennes. Attends, j'ai des super chaussures, non? Elles ont pas beaucoup de défense de choc. Du tissu le plus fin pour des pieds nobles. Ok. Elles ont beaucoup de charisme, ouais, c'est ça. Par réflexe, je me suis dit je vais faire X maintenu pour demander à mon chien d'attaquer la cible. Sauf que ça marche pas comme ça tant qu'on n'a pas
débloquer cette compétence du chien. Alors ça, je pense que j'ai déjà lu l'inscription. Dans le doute, c'est fait. Yeah. En tout cas, j'espère que vous appréciez la série. Moi, je trouve ça marrant à faire. Même si je sais que le style, pas beaucoup de montage, ça plaît pas forcément à tout le monde. On est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous dormez, vous ? Le meunier Péchec de Ratem m'a envoyé vous donner cette bague. Une bague ? Tenez. Fichu Camelot de merde. Vous devez être Henri, c'est bien ça. Péchec m'a parlé de vous. Mais pourquoi vous l'avez jetée ? Hein ? Vous savez dans quel bourbier je me suis mis pour vous la procurer ? Péchec m'a dit qu'elle était importante à vos yeux. Je vous l'ai dit, c'est de la pacotille. Ce n'était qu'un test pour déterminer si vous aviez le cran de travailler pour un meunier. On a coutume de mettre à l'épreuve les oisillons prêts à se lancer dans le commerce en les envoyant à la chasse au dahu. Nous voulions savoir si vous aviez des principes bidons ou si vous étiez prêt à penser avec votre tête. Félicitations. Vous avez passé le test haut la main. Nous aurons d'autres tâches à vous confier. Eh bien d'accord. Qu'est-ce que je vais faire des objets que j'ai chapardés ? Personne ne va vouloir m'acheter ce qui a été dérobé. Le recel d'objets volés est un délit. Mais s'ils ont de la valeur, je peux m'assurer qu'ils retrouvent une deuxième vie. Non pas que je vais les acheter, mais je pourrais les entreposer. Et en échange, tu auras de l'argent pour t'en être occupé. Donc, si quelqu'un égare quelque chose et que par bonheur je le trouve, je peux te l'apporter pour l'entreposer et j'aurai des gros chers en échange. C'est bien ça, oui. Il n'ose pas dire les choses, mais... Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Vous tombez à pic. Il faudra s'occuper d'un petit détail. J'ai des affaires en suspens avec le commandant de la garde de Thalmberg et j'aimerais obtenir réparation. On vous a sûrement raconté que le seigneur Robard de Thalmberg était à cheval sur la propreté et le rangement. Quel est le rapport ? Je suis déjà perdu. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Je vous expose la chose. J'aimerais que vous vous introduisiez dans l'armurerie de Thalmberg pour y voler des uniformes avec un blason. Et lorsque le seigneur Robard découvrira qu'il manque l'attirail de ses gardes ? Il demandera des comptes au commandant de la garde, qui est la seule personne en possession des clés et le responsable de leur préservation au lieu sûr. Quand Robard se rendra compte qu'il laisse disparaître des choses sous son nez, il le fera fouetter. Et j'en tirerai une grande satisfaction. Prenez-en au moins 5, histoire de marquer le coup. C'est comme si c'était fait. Une fois que j'aurai les uniformes, qu'est-ce que j'en fais ? Je les brûlerai pour effacer l'épreuve. Assurez-vous de ne pas vous faire prendre. Très bien, très bien. Je voudrais que vous m'appreniez... Bien sûr. Apprendre la furtivité. J'aimerais... Maintenant, portez-vous bien. Hop ! Je crois que j'ai pas le niveau 5 en furtivité pour l'instant. Furtivité niveau 3. Ok. J'en profite pour manger dans la marmite. Et on continue notre route. On va probablement pas passer par Thalmberg. J'ai un doute, mais Thalmberg c'est là-haut. Moi je suis là et je vais là, en effet. Est-ce que je continue jusqu'à l'Edetchko ? C'est ça, l'Edetchko. Puis après je remonte ou est-ce que je coupe avant ? Je vois pas de chemin vraiment idéal pour aller au moulin. Le plus simple c'est quand même d'aller jusqu'à l'Edetchko et de remonter la rivière. On va faire ça. Par contre je viens de là-bas et je continue par là. Que je parte pas dans la mauvaise direction dès le début quand même. Oh, un nid. Ça veut dire tir à l'arc. Je suis devenu un pro. En plus j'ai trouvé une bague en argent. Et c'est pas du vol, parce que la pie elle viendra pas le réclamer. Après on trouve des trucs qui ont parfois beaucoup de valeur dans les nids de pie, mais j'ai jamais... c'est rarement des trucs utiles. Soit il y a un gros chêne, le mieux qu'on puisse trouver je pense que c'est un collier qui vaut 1000 gros chênes, ce qui est très sympa, mais ce qui est pas terriblement utile non plus parce que les revendeurs l'achètent pour beaucoup moins.
voici à Ledetsuko. Voici la rivière, voici un nouveau sanctuaire. On va remercier les gentils contributeurs du jeu qui ont donné assez pour faire partie des sanctuaires. Et on va suivre la rivière. S'éloigne de la rivière maintenant. Tant qu'on arrive au moulin. Ah, il va falloir que j'aille à gauche quand même. Ouais, c'est bon. Alors on doit plus ou moins être au bout de la rivière. La source est par là. Encore un peu tout droit. Okay. Ça ressemble à un moulin. Il y a un petit coffre, je me dirais que je pourrais l'ouvrir pour m'entraîner. Ah, je peux prendre et pas voler. Mystérieux. T'as un coffre à personne ? Je sais plus ce qu'on cherche, mais on va parler avec les gens. Ah, on cherche Timmy. C'est un grand gaillard et... Anigo Fini ? Ouais, il travaille ici. Ou travaillait, je n'en suis plus très sûr. Il a disparu récemment. Je crois bien que personne ne l'a revu, mais demandez toujours à sa sœur Mirka. Elle trime également au moulin. Ok. Mirka... Bonjour. Je cherche un colosse du nom de Timmy. On m'a dit qu'il travaillait ici. Je ne connais personne de ce nom. Bah. Tout le monde le connaît, alors pourquoi pas vous ? Entendu, mais pas ici. Nous discuterons là-bas, derrière le moulin. Ok, pourquoi tant de cachotteries ? Attention, vous marchez ! Un pissenlit, ça. T'as de la sauge, ouais. C'est bon. Pourquoi m'avez-vous emmené par ici ? Hein ? Me voilà. Dites-moi, pourquoi tant de discrétion ? Qu'est-ce que vous lui voulez à Timmy ? Pourriez-vous me dire où le trouver ? Promettez-moi qu'il ne va rien lui arriver. Pourquoi tenez-vous tant à lui ? C'est mon frère. Il n'est pas très malin, vous voyez. Et il s'attire des ennuis à cause de ses mauvaises fréquentations. Et il y a maintenant d'étranges énergumènes à sa recherche. Qui sont ces gens ? Je ne sais pas. Mais ils avaient l'air de criminels et disaient des choses bizarres. Mais je ne leur ai rien dit. Tant mieux, mais ils finiront par le retrouver un jour ou l'autre. Dites-moi où ils se trouvent et je vais m'en occuper. Il se cache dans la ferme des Colben, un peu à l'écart de Meroyed. Oh oh.
messieurs, tout va bien, non? Si vous voulez bien me laisser le temps de sauvegarder. J'ai l'impression que tu cherches quelqu'un ici. Nous aussi, on cherche quelqu'un. Ah. On pourrait peut-être s'entraider. Bon, peut-être. Et qui est-ce que vous cherchez? Un gros balourd du nom de Timmy. Ah, connais pas. Je ne sais rien de lui et je le regrette. C'est dommage. Vraiment dommage. Je prends grand soin de ceux qui me viennent en aide. Si jamais quelqu'un venait à m'indiquer où trouver Timmy, je pourrais lui offrir du travail. Un gaillard aussi futé nous serait d'une grande utilité au campement. Oh! Entendu, je vais t'indiquer où il est. Vraiment? Pourquoi me viendrais-tu en aide? Nous sommes tous chrétiens, non? Pourquoi ne pas aider son prochain, en particulier lorsqu'il vous donne des gros chênes en retour? On ne serait pas de la même famille par hasard? Je vous en donnerai une bonne vingtaine. La moitié tout de suite, le reste quand on l'aura retrouvé. Marché conclu. Une bonne vingtaine, j'ai eu 150. Alors... Vous avez un campement à proximité? Bien sûr que oui. Et ce ne sont pas les pièces qui manquent en cas de mérite. Où est-il? Ah, là, il va pas me le dire. Chaque chose en son temps. Prouve qu'on peut te faire confiance en nous aidant à trouver Timmy. J'ai très envie de trouver le campement. J'ai pas très envie... Je pense qu'en combat, je vais me faire avoir. J'ignore où il est, c'est improbable maintenant que je lui ai dit. Il se trouve à la ferme des Colben. Il est de retour à la ferme? Mais tu me prends pour une buse? Ma foi, permets-moi de rester quelque peu sceptique. Je vais laisser Radan ici veiller sur toi. Pour assurer ta sécurité, tu comprends? Accompagne-nous si tu en as le cran. Sinon, viens nous retrouver à la taverne de Samopesh quand tout sera fini. Où on te retrouvera. Alors... Je peux aller plus vite qu'eux, peut-être. Alors, où est-ce que c'est? Je sais pas si j'ai pris la meilleure décision, mais... Attendre que Morok récupère Timmy. Retrouve Timmy. Il est à la ferme des... Oh. J'ai aucune idée d'où c'est, par contre. Au sud de Meroyed. Mais j'ai pas découvert Meroyed, si. Se trouve un moulin où se tapit vraisemblablement le fléau. C'est là Meroyed, je crois. J'ai un énorme doute. Non, ça doit pas être là. C'est un gros truc. Ça doit être là. Là, il y a des petites maisons. On pourrait partir dans leur direction, tout simplement. Si eux pensent que c'est par là, allons-y. Sauf que moi, j'ai un cheval. Ah, par contre, où est-ce qu'ils voulaient aller? Ok, on va par là. A mon avis, ça va mal finir pour Timmy si je lui file pas un coup de main. Bon, je suis pas particulièrement enclin à tenter de sauver un criminel, mais... Surtout que si sa mort me permet de trouver le campement. Mais bon, je peux aussi tenter de le sauver. Alors, bon, vu que j'ai une nouvelle ville, je coche. Je lis toutes les croix. Alors. Oh là là. Alors,
est dans Meroyed. On est au niveau... On est par là, je crois. C'est là ? Non, eux, ils sont là. Petite maison, par là, par exemple. Tout droit, puis à gauche. On va tenter le coup. Sauf que si je me trompe de chemin, eh ben, ils tueront Timmy, et puis voilà. Hein. Bon, ils vont peut-être pas le tuer avant que j'arrive, mais... Il y a un gros doute. Alors... Poussez-vous, poussez-vous, je suis pressé. Où est Timmy ? Ah, c'est lui. Je me porte bien maintenant, oui. Hein ? Oh merde ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Ce n'était pas moi. Je n'ai rien. Je veux dire. Merde. Il est pas super malin. J'ai vu ce que vous avez fait à Neuhof. Mais de quoi parlez-vous ? Vous n'y étiez pas. Enfin, moi j'y étais pas. Moi. Ne gaspillez pas votre salive. Vous y étiez avec Louboche le boiteux et le flaireau. On m'a tout raconté. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ton camarade Inek m'a parlé d'un campement entièrement peuplé de fils de catins. Et je dois le trouver. C'est primordial. Vraiment ? Mais pourquoi je devrais vous faire confiance ? Je ne suis pas idiot. Vous pourriez être l'un d'eux, faisant semblant de ne pas être l'un d'eux, et me tendre un piège. Je ne vous dirai rien. Alors, Pourquoi j'essaierais de te tendre un piège ? Un peu d'effort, bon Dieu ! Ils ont crucifié Louboche le boiteux à Usis. Qui est-ce que tu comptes entourlouper ? Merde, merde ! Merde, merde, merde ! Qu'est-ce que je vais faire ? Merde ! J'ignore où est leur campement ! Quel ramassis de conneries ! Inek m'a avoué que tu étais ici, et ce pit a dit de ne pas l'ouvrir. Alors dis-moi ce que tu sais. Bon, j'y suis allé, ouais, mais qu'une seule fois. Sauf que j'étais assez saoul, donc tout est un peu flou. Essaie de te souvenir. C'était dans les bois. Une sorte de forêt, vous savez, avec des arbres et tout ça. Il y avait des maisons abandonnées, tout ça. Dans les bois, une église. Ah ouais, il ah, y avait une église. C'est un peu plus utile, ça. Au moins, ce qu'il en reste. Génial, merci beaucoup. Maintenant, ça me semble évident. Tu te souviens du chemin que t'as emprunté ? C'était au nord de Talmberg. Lorsque vous montez depuis le château, il y a un chemin avec des granges autour. Je crois. Il mène au campement des bûcherons. Si vous allez ensuite un peu plus loin, vous allez trouver cette sorte de maison abandonnée. Vous ne pourrez pas la louper. On dirait une maison, sauf qu'elle est abandonnée. Là, vous prenez à gauche et continuez tout droit jusqu'à une clairière avec un gros hêtre. Ou c'était un chêne. Un gros arbre, ok. Prenez de nouveau à gauche. Il y a ce chemin sinueux et vous le suivez. Parfois, il se sépare. Il faut continuer sur la gauche jusqu'à ce que vous tombiez sur un croisement avec cette grosse pierre plate. Il faut continuer tout droit pendant un moment. Puis finalement, vous verrez un pont et vous serez arrivé. Facile. J'imagine que c'est mieux que rien. Mais vous ne parlerez à personne de Neuhof, pas vrai ? Vous m'avez promis. Oh non, zut ! J'allais vous le faire promettre, mais j'ai oublié. Tu as pris part à ce massacre, Timmy. Des gens ont été tués et la ferme a fini en cendres. Tu ne peux pas t'en sortir aussi facilement. Suis-moi jusqu'à Raté. Ils sauront quoi faire de toi là-bas. Non, non, je n'irai nulle part avec vous. Ils vont me pendre. À quoi tu t'attendais ? Tu crois que tu peux rejoindre une bande de bandits, voler, tuer, assassiner, incendier, et le tout sans être inquiété ? Suis-moi, et au moins tu mourras comme un chrétien de bonne foi. Jamais. Vous feriez mieux de me tuer ici même. On va lui laisser une chance. Le bon Dieu te regarde. Alors qui suis-je pour te juger ? Tes péchés reviendront te hanter. Hein ? Oups, qu'est-ce que... Ah. Qu'on
content de te voir, Timmy. Ah, comment vas-tu? Il va se faire attraper. Quoi? Ça fait un moment que je t'ai pas vu, hein? Non. Eh bien, J'espère que tu nous as pas oubliés, Timmy. On a beaucoup pensé à toi. Moi aussi. J'ai pensé à vous. Je me disais que j'aurais aimé venir vous voir, les gars, et... Pas de problème, Timmy. Tu n'as pas à faire le déplacement. Oh. Allez, viens là. Il m'a tout de suite dit qu'il allait les prendre et m'a demandé mon prix. Allez-y, les gars. Comment on se retrouve? J'aurais espéré un peu d'aide de ta part avec Timmy, mais peu importe. Alors dis-moi, pourquoi étais-tu à sa recherche? Alors... On va pas l'agresser, c'est quand même le chef, il a l'air d'avoir un peu de force. On va pas dire qu'on cherche celui qui l'a embauché, on va plutôt dire qu'il me doit de l'argent depuis un bail. Alors je me suis dit que j'allais le lui rappeler. Ça n'a pas très bien marché, hein. Il ne pourra plus te payer maintenant. Il est vrai que tu as prouvé de quoi tu étais capable. Timmy pourrait en témoigner s'il n'avait pas été haché en rondelles. Il se peut que j'ai un travail pour toi. Quel genre de travail? Le genre de travail dans lequel on ne pose pas trop de questions. Et moins tu en poses, plus t'es payé. Pourquoi pas? Poser des questions n'est pas mon fort de toute façon. C'est bon à savoir. Fais ce que tu as à faire et passe nous voir au campement. Prépare-toi à rester parmi nous pendant des semaines. Très bien. Et comment faire pour trouver votre repère? Il est dans un village abandonné. Je crois qu'on l'appelait autrefois Pribislavis. Si tu remontes le ruisseau qui passe par Rovna depuis le nord à travers les bois, tu finiras par arriver sur place. Merci. J'espère ne pas me perdre. Et si on te cause des ennuis, dis-leur que tu viens de ma part. Alors... Dis-moi au moins comment tu te fais appeler. Morcock. Morcock. Henri. On se reverra au campement alors. Alors, ben j'ai un droit de passage maintenant. Bon, désolé Timmy, t'as pas voulu me suivre en prison, je voulais pas te laisser filer et puis ils sont arrivés trop vite, donc en tout cas, on a signalé l'emplacement du campement des bandits au seigneur Radzig. Ça peut être une bonne idée, sachant qu'il est pas très loin en plus. D'ailleurs, je me demande si les bandits vont pas droit vers le campement du seigneur Radzig. Alors, une petite tourette sanctuaire. Alors. Où est-il? Ah, seigneur Radzig, désolé de vous réveiller. Je vous accompagne, jeune homme. En quoi je peux vous aider? Alors? Monseigneur, je suis allé à Usis et le prêtre de la paroisse est vraiment un étrange personnage. Il est très habile à l'épée. On va faire comme d'habitude les dialogues les moins utiles aux plus utiles. C'est un type assez curieux. C'est le fils cadet de l'un des seigneurs de Kuttenberg. Il a été envoyé à l'université pour devenir prêtre, comme il est coutume de faire pour les cadets de la famille. Mais ça ne lui plaisait pas. Alors, quand il a fini ses études, au lieu de prendre ses fonctions, il est parti vagabonder. Il a dû mener une vie bien aventureuse pendant un temps, avant de décider de revenir un beau jour. Anouche en saurait davantage sur lui. Ok. Monseigneur, j'ai des nouvelles concernant l'enquête. Bien. Dis-moi tout. La piste mène à Usis. J'ai appris que l'un des bandits est originaire de là-bas. On le surnomme Loubosch le Boiteux. Je vois. Mais encore. Je vais lui refaire la chronologie des événements à part. J'ai suivi la trace de Loubosch jusqu'à Usis. Mais j'ai découvert qu'il s'était fait assassiner. Tout porte à croire qu'on essaie de brouiller les pistes en se débarrassant des témoins. Toute cette affaire devient de plus en plus suspecte. Tu as récolté d'autres indices? J'ai des informations sur l'un des acolytes de Loubosch. Les gens le surnomment le Flaireau. Et il nous vient de l'Edechko. Tu fais un travail remarquable, mais il faut savoir rester prudent. As-tu déjà retrouvé ce Flaireau? Eh oui. Mes nouvelles sont peu rassurantes, monseigneur.
Je m'y attendais. Raconte-moi le plus grave. Le dénommé Flaireau se terrait dans les bois. Ses anciens complices voulaient lui faire la peau car il les a abandonnés à Neuhof, en compagnie de Loubosch le Boiteux et d'autres comparses. Je pense qu'il ne voulait pas être lié au massacre. Bref, le Flaireau m'a avoué qu'il s'était fait embaucher par un bandit surnommé le Ingre. C'est lui qui a volé votre épée. Ces fils de catin ne cherchaient pas à prendre du butin. Ils voulaient uniquement faire des ravages. Le pire, c'est qu'ils ont installé leur campement dans la région et qu'ils s'apprêtent à repasser à l'action. Sacre. Quoi d'autre ? C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant, monseigneur. Bien, jeune homme. Et... reviens en rapport aussitôt que tu auras du nouveau. Seigneur, à propos du campement... Hop. Le campement... Je sais où il se trouve. L'un des déserteurs m'a révélé l'emplacement du campement. Il s'appelle Timmy. C'est un grand gaillard. Mais il a plus de muscles que de jugeotes. Leur campement est situé dans un village abandonné dans les bois à l'ouest de Thalmberg. Beau travail, jeune homme. Es-tu allé voir sur place? Connais-tu leur nombre? Mis à part son emplacement, je ne sais rien d'autre. Il nous faut plus de renseignements. Pourrais-tu y retourner pour tenter d'établir ce qui pourrait nous être utile pendant l'assaut? Plus on en saura, mieux ça sera. Et si tu pouvais en profiter pour effectuer quelques sabotages? Cela nous serait extrêmement précieux. Mais ne prends pas de risques inutiles. En aucun cas, je ne veux te perdre. D'accord. Bien, monseigneur. Enfin, je vais faire de mon mieux. Voilà ce que j'aime entendre. Gamin, tu seras nos yeux et nos oreilles. Notre succès repose sur tes renseignements. Reviens ici dès que tu le pourras. En attendant, je vais rassembler mes hommes. Je vais essayer d'en découvrir le plus possible. Que Dieu vous accompagne. J'ai pas une autre option de dialogue, non? Que Dieu vous accompagne. Alors... donc j'ai pas pu lui dire que je m'étais fait embaucher chez les bandits. En tout cas, Rovna, suive le ruisseau. Ouais, Morok il m'a donné des instructions beaucoup plus claires, c'est-à-dire remonter le ruisseau au nord de Rovna. Que Timmy qui m'a dit je pense que Timmy il prenait ce chemin là, puis après il faut suivre un rocher, puis je sais pas quoi, bref. Donc on va plutôt suivre les instructions de Morok. En tout cas, ce sera dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et à demain pour le prochain.